Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre numéro 128 et 129 de Blue Lock. On l'a pas encore lu et on va le découvrir avec vous, les viewers et les abonnés. C'est parti! Chapitre 128 intitulé Changement massif. L'équipe U20 impose son jeu grâce au duo Sae X Shidou. Le 11 de Blue Lock de nouveau dans une situation critique. Goal! On dirait que ça match bien entre les deux. Waouh! Le numéro 13 de l'équipe U20, Shidou Ryusei. Égalise de manière spectaculaire. Wouah, c'est jouissif. Équipe nationale U20. Attaquant Shidou Ryusei. Ah putain, ça vient, ça vient. La pression dans la bouteille est trop forte là. Attaquant point, je voulais dire. On a à peine égalisé. Évite d'être précoce le démon. Équipe nationale U20. Milieu offensif Itoshi Sae. La vache, c'est chose qu'il vient de partir, de faire. Je vois absolument aucun moyen. C'est donc ça la réaction chimique entre Shidou et Sae. Non, cet enchaînement, 11 de Blue Lock, Isagi Yoichi. Il est tout simplement démentiel. Je pense que Shidou a tout simplement foncé tête baissée là où il s'imaginait le mieux. Shidiri l'a vu, il a essayé de le couper. Mais ça, Itoshi Sae le savait. Il a donc fait une passe que Shidiri ne pourrait pas voler. La vitesse de pointe de Shidiri, le point de tir de Shidou, ou encore la qualité et rapidité de ses passes. Il fallait tirer de manière à respecter chacun de ses critères. Il a réussi à analyser l'ensemble de ses informations et à tirer tel un sniper. Il s'est imprégné de l'environnement en un instant. Mais oui, c'est exactement là, même chose que le jouer à l'instinct. Mais alors le tir de Shidou aussi. Il a réussi à tirer tout en sautant alors qu'il s'était lancé à pleine vitesse. Mais surtout cette manière de tirer lui est totalement propre. Un tel but n'est pas réalisable en analysant. C'est une réaction combinée d'une autre. Cela la multiplication des talents de ces deux monstres qui a permis ce but. Il a réussi à comprendre Shidou en si peu de temps et à lui offrir la passe parfaite. Mais pour eux, ce n'est que le début. Il faut les arrêter maintenant. Pas mal, les cils. C'est héréditaire. Vas-y, file-moi ton Insta, beauté. Hein? Sinon, on n'aurait pas même pas de quoi riposter. Si tu mets un triplé, pourquoi pas? Sérieux, jure-le. Arg, 11 de Blue Lock, Shigiri Yoma. Shigiri, ça va? Hein? Ouais. Juste un faux mouvement, douleur. Putain, on vient à peine de commencer les choses sérieuses. 11 de Blue Lock, Nokio Iki. C'est l'heure, on dirait. Niko qui s'est pris un jaune après un tacle et qui s'est blessé la cheville droite. Et Shigiri qui est totalement à sec après de nombreux sprints sur de longues distances. Et surtout ce nouveau duo qui métamorphose l'équipe U20. C'est le moment pour un changement. Entendu, qui envoyons-nous? L'équilibre de l'équipe a été compromis. On a besoin d'harmoniser. On va partir sur. T'es sûr que ton genou va bien? Simer et Sagi, on vient à peine de commencer la deuxième mi-temps. Je suis à sec avec si peu pathétique. Ce passé que je fuis depuis toujours. Pourquoi est-ce qu'il revient à un moment pareil? C'est minable. Si seulement j'avais continué de courir. Shigiri, t'as très bien joué. Il y a un changement. Bip. 4 et 16. Merde. Il commence à devenir intéressant. Bip. 3, 14. Attention. Le 11 de bloc procède à un changement. Deux joueurs d'un coup. Le numéro 4, Shigiri Yoma, ainsi que le numéro 3, Niko Iki, sont remplacés par le numéro 14, Ryo Mikage, ainsi que le numéro 16, Yoriyo. 11 de bloc, Mikage Ryo. 11 de bloc, Yoriyo. Oh, Yoriyo. Ouais. Bien joué, Niko. Bon courage. C'est incroyable. Shigiri, repose-toi. Oh, c'était quoi cette gueule? On a un reproche à faire à ce changement. Shigiri Yoma. Non, absolument pas. Si c'est pour chialer maintenant, c'est trop tard. Il fallait le faire pendant ton entraînement, petit con. Tu vois cette frustration? C'est tout ce que tu peux obtenir à ton niveau actuel. Avec ces deux nouveaux joueurs, le 11 de bloc a choisi de changer plusieurs positions. Évidemment, après un tel but, c'est logique. Actuellement, c'est l'équipe U20 qui tient le match. Blue Lock 11, New Formation. Du coup, on peut voir la formation ici, quoi. Et voilà. Nous sommes à 10 minutes dans la seconde mi-temps. Comment vont-ils revenir avec ce changement? Ok. Du coup, tu recules, Ottawa? Pas besoin de monter. Ah, t'inquiète. Je suis très curieux de la suite. Oh, Nagi. T'attends quoi pour marquer? Je sais que t'en es capable. Ouais, je sais. Si on ne gagne pas, c'est la fin. Il est encore beaucoup trop tôt pour en finir. Ouais, je sais. Il y a encore égalité. Le prochain but peut être décisif. C'est maintenant que tout se joue. L'entrée de nouveaux joueurs. Nouveau égoïsme, Iori et Reo. Il faut reprendre les rênes. Restart. Au pied du mur, le Blue Lock fait entrer Iori et Reo. Il faut changer la tendance Blue Lock. C'est maintenant que tout se joue. Restart.
Chapitre 129 intitulé Le calme glacial et le caméléon. Bateau que Iori a rejoint la première ligne, notre plan d'attaque va drastiquement évoluer. Hors de Blue Lock, Isagi Uchi. C'est l'une des premières options que l'on a continué de préparer. Jusqu'ici, on jouait en courant autour de Rin, ce qui nous permettait d'exploiter continuellement nos armes respectives et notre approche sauvage. Mais la force de Iori, c'est son calme olympien et son contrôle de balle. C'est notre outil le plus fiable pour engager une offensive. Me voilà à la sucette bleue versus équipe nationale U20 latérale d'Arai Miroku. Cool mec, m'en fous un peu de le tatouer. Je suis ni Okage ni Usain Bolt, mais j'ai une autre force. Ce qu'on attend de Iori, c'est pas une force écrasante en un contre un, mais la passe parfaite qui s'adapte idéalement à notre jeu. Tu sais, un égoïste, ça ne fait pas que se battre. Une passe de l'extérieur du pied, c'est quoi cette vitesse précise? Tu peux vraiment te faufiler partout. On se débloque. Karatsu Tabito, je te reconnais bien là. Il est doué en passe au moins, pas seulement. Montre-moi que tu peux te rendre utile. Un oiseau, c'est pas censé miauler comme ça. Des passes à courte distance entre Karatsu et Iori. Et lorsqu'ils seront tous tombés dans le piège, c'est à cet instant que Iori sera totalement libre. C'est parti. Avec un calme glacial et redoutable pied gauche, réagis. Putain, une passe digne d'Itoshi Sae. La cible, c'est Itoshi Rin. Ou pas. Tss. Onze de bloc, Nagisa Ishiro. Sim Sim, Iori, chérie, la ferme. Si tu veux te régaler, il faudra me passer sur le corps. Tu manques de la tact, l'otaku. Équipe nationale U20. Défenseur central, New Kusama. Oula, rapide le Doberman. Putain, pourtant Rin était le parfait à pas. Et merde, le ballon est juste là. Putain, qu'est-ce que je vais foutre? Bon, on va sauter. Y a pas un trou? Juste ici. Toi, t'en es pas capable. Toi, t'en es capable. Isagi Uchi. Enfin, j'y suis. Depuis le temps que j'essaye dans l'ombre de Rin. Pas le temps d'hésiter, faut tirer. En reprise. Coucou, petit chat. Papa est venu te mettre ta laisse, Aiku. Aiku! Je te fous pas de moi. Comment ça se fait qu'il soit là? C'est quoi cette portée démesurée? On vient à peine de changer de formation et c'est une passe faite sur un coup de tête de Nagi. Si Aiku a réussi à me rattraper alors que j'étais le premier à réagir, ça veut dire que tant que ce monstre me regarde, je ne pourrai pas bouger le petit doigt. Et merde! Attention au contre, équipe nationale U20, DMF, Ayate Haru. Pas mal, capitaine. À ton tour, le nouveau, équipe nationale U20, milieu offensif, Itoshi Sae. Attention, faites gaffe à Shidou, vous ne passerez pas. C'est parti Réo. Hors de bloc, Mikage Réo. Écoute Mikage Réo. La seule raison pour laquelle tu rentres sur le terrain, c'est pour arrêter Shidou Yosei. Entendu, j'ai déjà joué comme défenseur. Et j'ai aussi regardé tous leurs matchs, comme vous me l'aviez demandé. Tous vos matchs, Shidou et Sae, je dois les avoir en permanence dans mon champ de vision. Ça dribble encore. Ça temporise. Encore. Je vais te buter, Shidou. Attends, c'est l'arrêt que j'ai fait en début de match. Une copie conforme à 99%. IQ serait forcément capable d'arrêter ces deux-là. Voici mon rôle durant le match. Une défense digne d'un caméléon. Un égoïste qui copie pour changer le retour de Mikage Réo. Pas mal, Réo. Grave stylé. C'est avec cette arme que je vais te trucider, Shidou. Bon, on s'arrête pour cet épisode. Bon, on va s'arrêter là. Bon, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On se retrouve pour de nouveaux chapitres. Bye, à plus.